Alors c'est pas les clés hein, de ce T-Roc Air, mais plutôt de cette Sirocco Gelli, hein, la version deluxe du moteur GTI. Et je rends les clés à son propriétaire. Bonjour les amis, je suis avec Gérard, l'heureux propriétaire de cette jolie Sirocco GLI. L'origine était GTI, donc dans les années 78-79, ils l'ont passé sous la forme GLI. Une voiture un peu plus finie quoi. On est sur un état, n'ayons pas peur des mots, matching number, c'est ça? Oui. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait matching number, c'est-à-dire tout est d'origine. Tout est d'origine. Moteur, boîte, pont. Sur un moteur de Golf GTI. Golf GTI de 110 chevaux. De 110 chevaux. Alors, Golf GTI de l'époque, c'était la 1600. Marque 1, donc la première des GTI. Oui. C'est ça. Hein. C'est la MK1. MK1, ok. MK1. Et alors, on est sur un modèle qui vaut aujourd'hui à peu près combien sur le marché de l'occasion? Alors, c'est subjectif parce que c'est en fonction de l'état. Ouais. Donc celle-ci, elle est aux alentours de 21-22 000 euros. D'accord. Pour être unique sur le marché. Ouais, unique en Europe, tu me disais. Unique en Europe. Alors, il faut qu'on soit à l'intérieur pour le voir, mais bon, oui. Pour vous dire que vraiment cette voiture. Donc, c'est pare-brise d'origine, du fait trop voyant. Pare-brise d'origine, ah oui, il faut le préciser. 41 ans, elle a. 41 ans. Et alors, voilà. C'est le plus important, c'est ce qu'il y a sous le moteur. On va voir la bête. À la bête. Donc, on est sur. Une base moteur hein, d'une Golf GTI, Golf 1, MK1. 110 chevaux. 110 chevaux. Donc un rapport poids-puissance qui est très très intéressant. Injection Bosch. Injection Bosch. Qui était montée sur les Ferrari 248 à l'époque, sur les Porsche. Ah oui, d'accord. 248 GTB, tout ça. Oui, c'est ça. Très bien. Ah oui, donc belle référence. Puis là, joli moteur. Donc 4 cylindres, 110 chevaux. Et puis. Tout comme l'extérieur et l'intérieur, le moteur est aussi dans un très très bel état. Il n'y a pas une poussière. Le capot est brillant. C'est magnifique, c'est très beau. Les plaques d'origine. Ah oui, alors là, on a les plaques d'origine. Et alors, tu me disais qu'elle appartenait à un médecin passionné de voiture. Voilà, il s'est fait plaisir. Il a acheté ce petit joujou. Et du fait qu'il pilotait très bien, elle est super entretenue. Tu disais, pour qu'elle soit matching number, c'est quoi les critères pour qu'elle le soit? Ce qu'il faut, c'est que bien entendu, le châssis corresponde, tout le moins au point de vue numéro. Ensuite, vous avez le moteur d'origine, la boîte d'origine et le pont d'origine. Donc, on peut toujours changer une aile, un capot. Sans que ça change et qu'on perd cette cote, entre guillemets, matching number. Dans la nomination, matching number. D'accord. C'est l'astuce. Pour déplier l'antenne, pour capter la radio, c'est ça? Oui. Donc ça, il y a une clé spécifique. Ah, c'est un système anti-vol. En fait, oui, pour éviter qu'on se fasse chourer un petit peu là. Parce qu'à l'époque, les gens ils collectionnaient les antennes. Alors on se remet dans son contexte, on est dans les années 80. Ouais. Et les vols quand même existaient déjà hein, sur les voitures. Ah oui, particulièrement les roues, les antennes. Et les phares additionnels. Ah oui, parce qu'on n'a pas d'écrou anti-vol. Hein. Non. Donc on pouvait vraiment se faire voler les roues. Bon, c'est facile, ils mettaient 4 briques à l'époque. Bah, un peu comme aujourd'hui. Hein. Et là oui, on se faisait aussi voler quoi, les phares et surtout le logo. Ça non, il y avait quand tout même des... Était... Tout ce qui était... rapidement. Ouais, c'est ça. C'est le logo de l'ancien propriétaire. Hein. Ah ouais, elle appartenait à un médecin du coup. Ouais. Et alors la vignette... Voiture. Et ça, c'est son dernier contrôle technique. D'accord, ok. En tout cas, l'état est vraiment magnifique. Très bel état.
Moi, j'ai hâte de faire un tour avec toi, Gérard. Une chose que l'on avait oubliée, mais qui est super intéressant, c'est que sur ce modèle-là d'époque, on peut rouler avec du 95. Ah oui. Il n'y a pas besoin de refaire les sièges de soupape. C'était prévu. D'accord. À l'époque et renforcé du fait que c'est un modèle puissant. Donc, d'accord. Autorisé à rouler en 95 sans aucun problème. Okay. Sans ça, sinon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Sans ça, il faut rectifier les sièges de soupape. Les sièges qui sont beaucoup plus durs et donc qui résistent mieux. Du fait qu'il n'y a pas de plomb. D'accord. Et donc, ça normalement, le plomb lubrifie les soupapes. Ah. Et là, c'est inutile. Ok, bon, ça c'était donc, important de le préciser. Très important parce que. Du coup, il n'y a pas de modification à faire. Il n'y a pas de modification à faire. Il n'y a pas d'additif à y rajouter. Ouais, elle roule nickel comme ça, sans problème. Dans les roues d'origine. Il existe la cinquième roue qui est la même. Qui est dans le coffre aussi. Ah, c'est la même. Les roues galettes n'existaient pas. Ah oui, il n'y avait pas de roues galettes. Alors, admirez le coffre. Les tapis sont, bien sûr, d'origine, avec le sous-tapis aussi. Et. Ah ouais. Avec sa roue de secours. La véritable roue de secours. Je crois qu'elle a touché le sol peut-être deux fois. Autant dire quasiment rien. Là, on est sur un esprit coupé, sportif, et on a envie de se faire plaisir. Alors, je tiens absolument à vous faire remarquer, les amis, la peinture est d'origine aussi. Platine métallisée. Métallisée, ouais. Ok. 98G. C'est très beau. En tout cas, et vous noterez, il n'y a eu aucun accident, elle a rien eu, hein. il n'y a jamais rien eu. Du jamais vu quasiment en Europe, hein. C'est vrai que tu as regardé un petit peu sur les différentes annonces, il n'y en a aucune qui ressemble à celle-ci. Alors, et puis l'intérieur, parce que je vous parlais de la carrosserie. Mais... On peut vérifier même à l'intérieur des portières, il n'y a aucune trace de rouille. Ouais. Alors les rouilles, normalement, en général, ça se situe en dessous, c'est ça, hein. Oui, on peut y passer la main. Voilà. Sous les bas de caisse aussi. Il n'y a rien, la voiture n'a rien, absolument rien, elle est vraiment clean, 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 comme l'intérieur. Parce que là, l'état des moquettes, en général, c'est ce qui s'use le plus. L'état des moquettes est excellent. On a des pédaliers qui est aussi excellent. Et surtout, une sellerie intérieure. Alors, je ne sais pas si c'est du velours ou une matière très confortable. J'étais même étonné d'être aussi... Les appuis-têtes sont aussi d'origine et très confortables. C'est, à l'époque, c'était quoi? C'était du Sky. Hein, on disait, c'est ce qui tenait, en fait, aujourd'hui. C'est ce qui tient mieux, hein, finalement. Ouais, ciel de pavillon de toit... Comme neuf, en Sky aussi, avec une très belle couleur qui fait ressortir finalement, qui contraste avec l'intérieur. On est vraiment sur une configuration qui est très belle, et puis surtout dans un état vraiment absolument magnifique. C'était une option, et on a les vitres qui sont légèrement teintées en couleur bronze. D'accord. C'est très léger. Ça rajoute un petit peu à ce côté sportif. Voilà. Hein. Alors là, t'as repeint un peu les écrous, non? C'est Alors, quoi c'est D'origine, c'est... ils sont blancs. Ah, ils sont blancs, d'accord. C'est pour voir si ça bouge ou pas, c'est ça? Oui. Ah, ok. Le numéro de châssis, je suppose, il est là. Oui. Ok. Ça, c'est bien. Alors, tout ce qui est filtre, pompe, tout ça, ça a été changé, bien sûr. Ouais. En termes d'entretien, c'est comment tu le fais toi-même ou tu passes par un garage Moi, je fais du fait que j'ai un pont ici. Toi, il faut un petit peu s'y connaître en mécanique ou ça reste simple quand même, ça reste basique? C'est assez basique quand même. Pour faire une vidange. Oui, il n'y a aucun souci, n'importe quoi. Il n'y a aucun souci. D'accord, ok. Et les pièces après à trouver? Les pièces, aucun problème. Ah ouais, il y a ce qu'il faut en termes de référence. Dans les circuits Volkswagen, on trouve absolument tout jusqu'au moindre caoutchouc. Ouais, puis sachant que ça reprend encore une fois le moteur de la Golf GTI, donc forcément il y en a eu quand même à profusion, donc il suffit de s'inscrire sur un forum et on trouve à peu près la pièce qu'on veut. Mais il y a des sites spécialisés qui ont toutes les pièces, et j'ai même changé ce petit caoutchouc ici de l'alternateur et j'ai trouvé d'origine. Ah, tu l'as trouvé d'origine, d'accord, ok. Et en termes d'assurance, sans indiscrétion, ça coûte cher? C'est une assurance collection? Il faut les assurer en voiture collection. Ah. C'est l'assurance qui démarre aux alentours de 35 euros l'année. Ah oui? Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est quasiment rien, quoi. C'est pratiquement rien. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les plaques d'origine. Ouais, forcément, c'est la plaque d'origine. Plaques noires. Ça, c'est autorisé hein, à rouler avec ça, sachant que c'est une voiture de collection. Ils mettent maintenant une plaque spécifique. Reste une 2+2 ou c'est une véritable 4 places? C'est une véritable 4 places. Elle a exactement le châssis de la Golf. Et donc, elle a la même place intérieure. Quand tu dis elle a le même châssis, c'est-à-dire que... C'est la même base. C'est la même base, ils ont juste... Il n'y a que la carrosserie qui avait été modifiée pour en faire un coupé. La base, c'est la Golf 1.
une Golf GTI en coupé. En coupé, ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que je vois à l'arrière? Hop, je vois les papiers d'origine. Voilà, il y a tous les documents d'origine. Donc, tu as tout l'historique. Tout l'historique complet. De l'achat aux entretiens, l'achat, ok. Avec le certificat d'origine, enfin, certificat constructeur, et le double des clés. Eh ouais. Ça aussi, ça reste assez rare d'avoir conservé le double des clés. Double des clés, très rare. Ouais, voilà. Si vous en doutiez, elles sont là, juste et sous nos yeux. Hein, et d'origine. Copies, hein. D'accord, ok. Ça n'a pas été refait ou quoi que ce soit. Ça se voit d'ailleurs sur. Ah oui. C'est les vrais clés. Que je vois que le volant. Moi, s'il y a un truc qui me perturbe, c'est le volant, il n'y a pas le sigle Volkswagen. Non, mais c'était le sigle d'origine. Ça, c'est le sigle d'origine, volant d'origine. En fait, tout est d'origine. Oui. Elle a combien au kilomètre 103 000 km. 103 000. Mais, consommation, si on la pousse un peu, on approche les 9-10 litres. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable pour l'époque. En la poussant, on est arrivé à faire 9 litres de ça va, et en conduite normale, je pense que tu dois être autour des 7. 5. Ouais, 5, ah oui, 5. Ah, c'est bien. On note aussi, encore une fois, pare-choc d'origine, mais surtout les bavettes d'origine. Ça, c'est aussi joli. Alors, ça servait à quoi à l'époque? C'était pour éviter les projections? Parce qu'à l'époque, voilà, les routes n'étaient pas aussi bien goudronnées que maintenant, c'était avec des gravillons. Et donc, c'était pour empêcher les gravillons de taper sur la caisse. Généralement, c'était les concessionnaires qui les montaient. Regardez en dessous, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun pet de rouille, même le pot d'échappement, il est nickel. Voilà. Les amis, après le T-Roc R, on va revenir un petit peu quelques années en arrière avec cette jolie et magnifique Volkswagen Scirocco GLI. En fait, c'était la version GTI de luxe, le L comme luxe, on va dire. Et là, vous avez une auto vraiment mythique avec laquelle on va rentrer à bord et on va vivre un petit peu une expérience assez unique. Allez, go! Attention, c'est parti! Ah, génial! Ah. Ça monte dans les tours. Et on est déjà à des vitesses? Ouais, on va ralentir parce qu'on est un peu au-dessus de 80. Mais on est déjà à 80. Oui. Donc, franchement, les pertes de l'époque, je vais les mettre en bas dans la description de la vidéo. Mais on est facile, hein, 0 à 100 en dessous des. C'est très facile. Oui. 7 secondes, je pense. Je pense, hein, au tour. Oh, c'était un peu plus, je pense. 8? Allez, 8, ouais, 8 secondes. 7, mais 8 secondes. Pas 10 secondes, hein, quand même. Hein. Non. Ah ouais. Et elle tient, je le sens, mais elle a un bon petit châssis sport. Hein. Et ça tient très bien. Ah ouais. Très sympa. Il n'y a qu'à voir dans ce livre, hein. Ah ouais. Ah ouais, elle est nerveuse, hein. Ah ouais, ça tient le pavé, hein. Moi, je pense que Gérard, il s'est fait plaisir, hein. Alors l'embrayage est neuf. Eh, ça se sent, hein, tu passes les rapports en direct, hein. Ouais, parce que notre femme pilote, il l'avait un peu usé. Ah. Le moteur est super nerveux. On le sent, hein, il a envie de. Ça, j'ai bien appuyé. Il attend que ça. Hein. Vu la légèreté de la voiture. Donc, tu disais, au niveau poids, on est à peu près à 600. 600 et quelques kilos, 620 ou 630 kilos. C'est donc, assez léger. Pour 110 chevaux. Rapport poids-puissance, rapport digne d'une GTI d'aujourd'hui. Tout à fait. Ah oui! Ça pousse très fort déjà. Hein. Ouais, mais comme c'est léger, c'est un vrai kart. Hein. Puis très communicatif, j'imagine, en termes de châssis. Ah oui. Côté d'origine, la voiture ne fait aucun bruit sur les pavés ou sur les trous. Quoi. Tout a été vérifié, revu. Les choses qui n'allaient pas ont été changées. Comme la distribution, le freinage. Partie de l'alimentation, c'est-à-dire pompe à essence. Ouais. Enfin, pour la faire fonctionner. Quoi. Donc là, on tient à préciser, hein, il y a eu un temps de chauffe respecté, bien sûr. Oui, c'est sûr. Toujours. Et on va laisser pendant au moins 10 minutes.
histoire que les huiles chauffent un peu. Ouais, tout ça. La température est bonne, on le voit. Ouais. Voilà, vous avez un petit peu la vue hein, de si vous êtes à bord d'une Sirocco. GLI, alors GLI et GTI, c'est pas pareil, c'est ça que c'est ce que tu alors, me disais. Les premiers modèles sont sortis sur la configuration GTI, ça a duré 2 ans, et sitôt après ils l'ont passé dans une version un peu plus finie, ils l'ont appelé GLI. Donc c'est la version de luxe. C'est la version de luxe de la première GTI. Et c'est vrai que c'est super bien fini, alors je sais pas si la version GTI a tout à ce tableau de bord, peut-être qu'elle est... C'était un peu plus rustique. Un peu plus rustique, ouais. On sent que là c'est beaucoup plus quali, les plastiques sont jolis, c'est bien travaillé, alors on n'est pas sur du plastique moussé, et encore, ah si, il est presque moussé le plastique. Alors, ah ouais, incroyable. L'avantage sur ce véhicule, c'est qu'elle n'est pas restée au soleil, donc il n'y a pas de déformation de tableau de bord. L'autoradio d'origine, s'il vous plaît. Collector. Donc là on se remet dans les années 70-80. À l'époque sur la route il y avait quoi? Il y avait 4L, il y avait 4L, Renault 5. On avait les deux chevaux encore qui étaient là, non? Les deux chevaux. Donc c'est vrai qu'en termes de voitures sportives à l'époque il y avait. GTI, c'était Volkswagen qui avait. C'était la Golf. Ils ont sorti le coupé sitôt après pour essayer une version un peu plus sportive. Ça ressemble à un coupé, non pas à une berline. Celle-ci est très rare parce qu'elle est dans sa configuration d'origine. Un seul propriétaire, peu de kilomètres, et elle a toujours couché à l'intérieur. Ouais. Et on le voit, hein. Comme tu disais, le tableau de bord, même la carrosserie extérieure, elle est vraiment magnifique. Donc j'ai fait des recherches et c'est à peu près l'unique que je connais sur le marché européen. Ouais, c'est vrai qu'elle est super confortable. Elle est confortable, il n'y a pas de bruit. C'est l'esprit un petit peu GT. Oui. Il y a l'esprit GTI et l'esprit GT dans le sens où elle reste limite peut-être plus confortable qu'une Golf, je sais pas, mais... Je pense. Ouais. En tout cas, il y a quelques petites histoires, Gérard, que tu me disais, et c'est intéressant que tu nous la partages avec nous. Alors, déjà, je te parlais que c'était une boîte 4 vitesses. Tu me disais qu'après, il y avait une boîte 5. La boîte 5 est sortie l'an après, donc... En 80. 80. Ouais. Cette boîte 4 lui va très bien, ça la rend plus sportive, très nerveuse, avec des rapports beaucoup plus courts, donc ça c'est ce qui lui va bien, et surtout qu'on a 110 chevaux. Que maintenant la vitesse est limitée, on n'a pas besoin d'un cinquième rapport. Alors tu me disais à l'époque déjà, la vitesse n'était pas limitée, donc seule la limite des voitures, c'était la référence entre guillemets. Bien entendu, c'était limité dans les villes, mais par contre sur les lignes national. Ouais. Là, on pouvait faire ce que l'on voulait. C'était autorisé ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'on t'arrêtait pas pour excès de vitesse ou quoi que ce soit? Non. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai déjà roulé à l'époque des voitures avec une Mercedes à 210 à l'heure, mais en toute légalité. Ah ouais. Ce qui est plus le cas maintenant. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. Déjà, c'est 80 max sur départemental national. Et son premier propriétaire, donc c'était un médecin qui s'était fait plaisir. Ouais. La personne était un fin pilote, il en a toujours fait très attention. Ouais. Alors là, il faudra retourner. Alors on sent qu'il y a eu un entretien méticuleux sur cette Sirocco. Alors il n'y a personne. Toujours chez le même concessionnaire. Ouais. Alors, et puis, petite particularité à l'époque, il n'y avait pas besoin de rétro à droite, c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire. Donc, c'était le passager qui faisait office de rétroviseur finalement. Alors, sur des routes là-bas qui sont sinueuses. Ouais. Le gars il s'était acheté ça parce que c'était vraiment pour se faire plaisir dans les virages. Et t'es en Corrèze, c'est ça que tu me disais? En Corrèze. Donc peut-être t'as des bons, des bons tracés quoi. Cette voiture a été achetée à Argentat chez le concessionnaire local. D'accord. Et entretenue chez lui quoi. Ouais. Même le poste a été monté d'origine. Ah oui, Allez matching number. Alors ça c'est assez incroyable. Elle va sur ses 41 dans 15 jours. Et aucun bruit de plastique, d'ajustement, des pièces. Le seul bruit que j'entends depuis tout à l'heure, c'est les clés. C'est le bruit des clés, c'est le bruit des clés. c'est tout, c'est le petit tic-tac des clés. Donc,
Gérard, tu souhaites, ça y est, ton, pas t'en débarrasser, malheureusement, contre cœur. Il faut que je fasse un peu de place. Elle peut faire le bonheur d'un autre collectionneur. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, sur le marché, elle est proposée à peu près à 21 000 euros. 21 000. Principal, c'est que vous soyez intéressé par cette Sirocco GLI qui est dans un état admirable, honnêtement. Ça soit aussi bien l'état carrosserie, l'état intérieur et aussi le moteur. Il n'y a rien à dire. On a fait un tour tout à l'heure avec cette jolie Sirocco. C'est, voilà, c'est un vrai plaisir. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés et passionnés par cette Sirocco GLI, bien entendu, n'hésitez pas. On va mettre les coordonnées du blog et surtout après, on va vous mettre en contact avec Gérard. Si vous voulez que cette vidéo vous aura plu, les amis, en tout cas. Merci à Gérard pour ce joli tour en Sirocco GLI. Je vous dis à très vite les amis pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao. Ça pousse très fort déjà, hein.